une fille ou menu garçon. De Thierry Lenain et Catherine Proto. Aux éditions Nathan. Attention, à chaque fois que tu entendras ce mot, tourne la page. Et maintenant, rendez-vous à la première page, l'histoire va commencer. C'était une belle journée avec du soleil. À marcher dans la grande avenue et mon ventre gargouillait de plaisir. Halt, a dit papa, en s'arrêtant devant le Hit Burger. Ah non, zut, 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 il n'allait pas changer d'avis au dernier moment. Qu'est-ce qui se passe, mon papa et mes chéris? Ai-je demandé le plus gentiment du monde? Je refuse d'entrer dans cet endroit, a-t-il déclaré. J'ai respiré un grand coup. Papa, je sais qu'ils rasent des forêts pour élever leur steak. Je sais que leur coca est plein de sucre. Je sais que leurs frites sont pleines d'huile. Je sais que leur bière a un goût de pipi. Et leur café a un goût d'eau de vaisselle. Je sais, mais zut, 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 papa, tu m'avais promis. Mon père a tendu un doigt vers la vitrine. Il ne s'agit pas de forêt, de coca ou de frites, Léa, il s'agit de ça. J'ai lu la fiche. Nouveau menu garçon, les mini fusées, mini filles, les mini poupées. Collectionne-les. Papa s'est agité sur le trottoir. Ce n'est quand même pas Monsieur Hit Burger qui va décider que ma fille aura une poupée. Parce qu'elle est une fille et que mon garçon aura une fusée parce qu'il est un garçon. Je trouve qu'il avait raison. Surtout que je suis une fille qui déteste les poupées et qui adore les fusées. Mais je voulais quand même mon menu, moi. Pas pour les chéris, je dirais que je voudrais une fusée, je te jure. Rassurez, papa a accepté d'entrer. Que désirez-vous? A demandé la serveuse. Pour moi, rien, a répondu papa, avec une mine dégoûtée. Pour mon enfant et menu enfant. Il avait dit menu enfant, esprit. Il attendait que la serveuse demande menu fille ou menu garçon. Mais la serveuse n'a rien demandé du tout. Elle a mis une mini fusée dans ma boîte. Mais papa a dit c'est une fusée que vous avez mis dans la boîte. Ben oui, avait la serveuse. Et pour quelle raison, s'il vous plaît, a demandé papa? Tout en me regardant, la serveuse a dit. Pourquoi? Il veut une poupée? Aïe, 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 j'ai senti venir la catastrophe. Ce n'est pas il, a dit papa, en me montrant, c'est elle. La serveuse s'est excusée. Pardon, avec ses cheveux courts, j'ai cru que c'était un garçon. Et elle a enlevé la mini fusée pour la remplacer par une mini poupée. Papa lui a viré couleur tomate. Il a demandé, c'est une poupée que vous avez mise dans la boîte? Ben oui, a refait la serveuse. Et pour quelle raison, s'il vous plaît, a redemandé papa? La serveuse commençait à en avoir marre. Elle a répondu, parce que vous m'avez dit que votre fille était une fille et pas un garçon. Papa s'est mis à crier. Évidemment que ma fille est une fille et elle veut une fusée. La serveuse a crié une fusée, mais c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Pour crier plus fort, papa a hurlé. Tout à l'heure, vous avez mis une fusée parce que vous pensiez que ma fille était un garçon. Et moi, je veux que vous lui donniez une fusée parce que ma fille est une fille qui préfère les fusées. La serveuse a regardé papa avec des yeux ronds comme des couvercles de gobelets. Elle a murmuré, mais il est complètement cinglé celui-là. Derrière nous, il y avait la queue.
un monsieur à protéger. Alors, ça avance ou quoi? On n'a pas que ça à faire. La serveuse s'est mise à trembler et elle a plongé la main dans le sac des fusées et l'autre dans le sac des poupées. Elle a ressorti 5 ou 6 souhaits, 2 sacs shorts. Elle a tout fouillé dans la boîte avant de la fermer. Ça fait 25 francs, a-t-elle marmonné entre ses dents. Papa a payé et on a tourné les talons. Le monsieur qui en avait assez d'attendre a dit à papa au revoir. Madame, là j'ai senti que ça allait tourner en bagarre générale. D'ailleurs, le vigile qui ressemblait à un boxeur s'est approché. J'ai vite entraîné papa dehors. On est allé s'asseoir sur un banc du square. Pendant que papa pêchait contre tous les hitburgers de la terre, j'ai inspecté l'intérieur de ma boîte. Les mini-poupées, je pourrais toujours les échanger contre des billes à l'école. Je regardais papa et je lui ai dit: t'as raison, papa, mes chéris. Faut pas laisser les autres décider à notre place. On a quand même le droit d'être une fille comme on veut, non? Et j'ai mordu dans mon hamburger. L'article 4 de la Convention des droits de l'enfant intitulé « Contre toute discrimination » dit que les droits de l'enfant doivent être accordés à tout enfant, sans aucune discrimination. Ce qu'un garçon a le droit de faire, une fille en a donc le droit elle aussi. Cette histoire a été racontée dans le cadre d'un projet sur les droits de l'enfant par Inès, Claudia, Imed, Ryan, Enzo, Inès, Zineb, Jérémy, Abdelkader, Yasmina, Emery, Shaima, Sofia. De l'accueil de loisirs, Léo Lagrange, de Daniel, en marge de l'église. Musique de Alban Talwinski.